Yes, il est actuellement. Il est quelle heure? Je sais pas. Attends, Attends, je te le dis. on va voir quelle heure il est. C'est pour vous, il n'y a pas de cut. 4h15. Il est 4h15, effectivement. Alors, du coup, il est 4h15 du matin. Nous sommes actuellement à l'Airport Hotel. Merci le van qui me rappelle dans quel hôtel on est. Il est Airport 4h. Hôtel, on dirait pas un truc de luxe 5 Ouais, étoiles alors. alors qu'en fait, pas du tout. J'ai l'impression d'être dans un putain de motel. C'est incroyable. Et du coup, comme vous pouvez entendre, je suis déjà sur une qualité de micro de type c'est l'appareil photo. Hein, j'ai pas de micro à ramener avec moi. On entend les avions, on les entend très bien. Pourquoi tu leur fais coucou? Mec, t'as cru qu'ils allaient te voir? Donc, du coup, je suis en compagnie, bonjour, de Lou Solitaire. On a aussi Max et Zété, du coup, qui sont dans la chambre. Et là, on va prendre la navette qui est juste là pour aller en direction de l'aéroport. Là on est au niveau de l'aéroport et enfin on est au niveau de la gate, on attend d'embarquer. On a passé les contrôles et ce qui est incroyable c'est que genre je suis passé au machin tranquille sans problème et là je commence à biper. Alors, le truc en fait c'est que ce que certains savent pas c'est que j'ai une broche dans la main et du coup bah, je bip à l'aéroport au détecteur de métaux. Et du coup, je suis passé dans le deuxième truc. Ils ont demandé de faire une espèce de macarena en mode tenez-vous les jambes écartées comme ça. Genre, j'avais l'impression de me faire arrêter. En fait, non, ça va, c'était tranquille. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, putain, Lou qui a reçu sur son billet la petite mention quadruple S. En gros, genre, il va avoir droit à un contrôle un peu plus forcé. Et c'est le seul du groupe à avoir ça. Du coup, on sait pas trop comment ça va se passer au niveau des contrôles américains. Normalement, ça devrait bien se passer, il devrait pas avoir de problème. Mais putain, c'est tellement improbable en fait, parce qu'il a pas eu son billet jusqu'à ce matin. Et quand il a eu ce matin, du coup, bah, il a eu cette notion là. Et bah, on sait pas du tout pourquoi, on sait pas comment, c'est pareil. Genre, peut-être que les gens ils aiment pas ces vidéos, je sais pas. Alors, il faut savoir que de base, je voulais vous faire genre plein de footage et tout. Et là, on vient d'arriver à l'appartement et on est claqué. Et l'avion, c'était très long, c'était très chiant. Et j'ai pas pu vous faire beaucoup de photos ou beaucoup de vidéos, quoi que ce soit. Parce que bon, j'en ai genre juste montré les trois qui dormaient. Parce que c'était marrant. Mais voilà. Mais là, il fait encore jour. Il fait tellement jour. Genre, ça fait plus de 24 heures que je vois le jour. C'est bizarre. C'est trop chelou. Et du coup, bah là, on est juste à côté de la plage. Genre, vraiment juste à côté. Genre, là, je fais comme ça. Là, et là, vous voyez quoi? Bah, vous voyez, bon, déjà, vous voyez un store vénitien un petit peu dégueulasse. Vous voyez le voisin, peut-être, non, vous le voyez pas. Mais en gros, genre, tout là-bas, là, juste au fond, c'est la plage. Genre, là-bas, c'est la plage. On va tranquillement aller explorer tout ça, faire 2-3 courses. Et peut-être que. Je sais pas, peut-être qu'on va parler encore un petit peu et puis peut-être pas du tout. Je sais pas, en vrai genre je suis un peu claqué, je vous cache pas, genre je vais peut-être me coucher assez rapidement. Et on dirait que l'appartement genre il est gigantesque. Ouais, une taille normale, mais on est 4 donc ça va, c'est ok. En vrai genre c'est vraiment, ça commence très bien. Le voyage commence très bien, on a SUV vachement sympa. Et faut quand même que je vous raconte, avant de quitter quoi que ce soit. Sachez que la voiture à la base on devait pas prendre celle-là. On avait genre demandé à prendre un SUV, on voulait prendre genre un RAV ou je sais pas quoi. Et du coup on arrive, fait, ouais bon, on avait commandé sur internet, il fait ah oui, medium SUV, yes, ok, well, go take it. Ok, bon bah go le prendre, bah très bien, on y va. Il fait ouais bah vous choisissez n'importe laquelle, vous la prenez ou vous partez. Quoi?
Mais comment ça vous prenez, vous partez? Et on a mindfuck, genre vraiment on est resté sur le parking pendant bien 15 minutes en mode comment ça, si ça se trouve on va se faire arrêter dès qu'on va sortir du truc, on va se faire niquer. Non en fait c'est apparemment c'est normal là-bas, genre quand tu veux louer une voiture, tu loues ton truc, tu loues avec l'assurance, la caution et tout ça. Et genre t'as la voiture en libre service. Genre tu prends la voiture, les clés sont dans la voiture, tu ouvres la voiture, tu mets les clés, tac tac, tu montes ton ticket parce que t'as quand même payé ton truc. Tu montes ton ticket comme quoi c'est bien toi qui a réservé une voiture genre de cette catégorie là. Et tu peux prendre n'importe quelle putain de voiture de la catégorie et ça c'est assez insane. Ce qui fait que du coup bah là on a un petit SUV tranquillou. On a fait un peu Los Angeles là en voiture pour aller de l'aéroport jusqu'à là où on est. Donc on est au niveau de Long Beach pour ceux qui connaissent. On est genre tout au bout de Long Beach. Au niveau du sud de Los Angeles. Et c'est giga stylé. C'est trop bien, genre les gens et tout, ils font leur petit footing, ils promènent leurs chiens, il y a des barbecues. Enfin, c'est trop stylé, on est aux États-Unis, bordel de merde, on est aux États-Unis. Bon, tout ça pour vous dire que ce premier jour a été épuisant, mais vraiment épuisant parce que bah, full transport, full avion, machin. Le premier avion, il est arrivé avec 45 minutes de retard. Du coup, la correspondance était ultra short, on a couru comme des c***. Pour avoir la correspondance, on était à Vienne pour la correspondance et ils étaient en mode non mais vous inquiétez pas, courez, ça ira. Courez et ça ira, bah heureusement que je me suis pas cassé la cheville putain. Et Lou aussi qui a eu droit à une fouille spéciale parce qu'il a été sélectionné au hasard totalement pour le coup en tant que mec fichier quadruple S. Du coup il a eu droit à son petit check-up privé. Et bon, finalement tout s'est bien passé et on est rentré sur le territoire américain après moult et moult files d'attente au niveau de l'ESTA. Et ça y est, l'aventure commence. Voilà, on est parti pour une semaine de trucs comme ça, c'est assez insane. Allez! Avec une short vidéo, on est toujours sur le bout. Tu te lèves à 6h du mat, tu lui dis on va courir, il dit oui. D'ailleurs tu vas aller courir après? Non, c'était une blague. Dans ma tête, comme ça, s'ils sont tous mis tout nus dans l'appartement pour une raison. S'ils font des choses incroyables. S'ils sont tous tout nus dans l'appartement pour une raison, on les verra pas comme ça au moins. Attends, on va faire le meilleur vlog au monde. Alors ceci est un big burger. A big burger. 100% black Angus beef. Putain, un unboxing de mes couilles. Ah ouais, c'est de l'autre côté. Ouais, vas-y. Bon, bah donc du coup là on est en petite pause, on met de l'essence tranquillement. Ce qui s'est passé c'est que, bah, il s'est rien passé, on a juste fait le voyage. Et pour le moment on rentre dans le désert, on va rentrer dans le désert, donc on a fait le plein.
on est en train de faire le plein histoire qu'on ait aucun problème, qu'on ait pas de soucis ou quoi que ce soit. Et donc premier arrêt, on va peut-être passer vite fait à Vegas. Je sais pas si on s'arrête à Vegas aujourd'hui, je sais qu'on s'arrêtera demain, donc vous aurez des images. Et après c'est direction Rachel, où il y a apparemment un petit festival de musique, vu que bah, rentrer dans la zone 51 c'est très très con et c'est très dangereux, vu que ça reste quand même une zone militarisée, on vous le rappelle. Et donc du coup on va pas risquer nos vies pour ça. On verra si les gens ont eu les couilles d'y aller et qui ne sont pas morts et qui sont là pour nous raconter leurs histoires. Peut-être qu'ils seront à Rachel et là on les interviewera ce soir, peut-être. Ou peut-être à Las Vegas, si genre il y a des mecs qui sont partis à Las Vegas, on les verra demain. Et ça peut être grave stylé. Mais par contre putain, c'est ultra ultra cool. Qui m'aurait dit mec, tu vas faire des vidéos dans ta chambre et avec la thune que tu vas avoir, que tu vas mettre de côté, bah tu vas t'acheter du matos, tu vas t'acheter de quoi prendre un billet d'avion et surtout tu vas t'acheter genre de quoi te payer une semaine aux États-Unis et tu vas pouvoir genre réaliser ce que tu veux en fait. Genre tu fais des vidéos, tu fais pas de vidéos, tu fais comme tu veux, mais genre c'est toi qui a réussi à faire tout ça. En vrai c'est incroyable et du coup c'est ultra. On est en train de se rendre compte petit à petit, ça fait 3 jours qu'on est là. Enfin ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours ouais. Parce qu'on arrivait genre début de journée, donc en vrai ça fait 2 jours et demi. Ça fait 2 jours et demi qu'on est aux États-Unis et on commence à peine à se rendre compte qu'on est là. En fait, on est là. C'est incroyable, c'est juste trop bien. Du coup, ouais, je vous reprendrai sur une prochaine pause, etc. On va pas non plus trop tarder parce que parce que mine de rien, il y a quand même 6 heures de route hein, depuis Los Angeles pour aller jusqu'à Rachel. Et déjà qu'on fait une petite pause pour l'essence, j'en profite pour vous faire un petit rush. Voilà, et vous aurez encore d'autres images du voyage comme je vous en ai mis sûrement juste avant dans le montage. Et voilà, à toutes. Là on est en pause, là ils sont en train de partir faire de l'essence et il y a un camion qui vient de démarrer à côté. En vrai genre c'est terrible le bruit que vous devez avoir. C'est même pas un camion, tu sais, en France tu vois c'est des camions, ils font 2 mètres. Ouais mais là en fait c'est un camion sur un camion. Genre ça veut rien dire. Et du coup ouais, donc on est tranquillement, on s'est posé, on est presque arrivé. Là on doit aller, on a encore genre 30 minutes, même pas. Et c'était long, mais du coup, 30 minutes encore. Ouais, plus ou moins. Hein. Et on est parti à 8h du mat, vraiment. Et avec la route, les pauses et tout bordel, je crois il est 16h. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et le soleil, il est en train de se coucher en fait. Oui. Ça se couche à peu près vers genre 19h30, un truc comme ça, le soleil. Et là, il est au-dessus de nous, mais il est tranquillement en train de faire dodo. Genre, il est somnolent, quoi. On a tourné quelques séquences pour mes trucs, mes maillets vidéo, on va dire. Yes, bah vous me verrez dans. Dans son chef-d'œuvre. Et petit spoil, il joue l'alien. Oui, je suis un alien. J'aurais dû mettre les lunettes par-dessus le masque en fait.
Bah ça aurait été toi. Mec, je ferai ça pour la prochaine. Et pour l'instant on n'a pas vu assez de fous parce qu'on a dit on va venir à Rachel et tout, c'est plein de teubés ou je sais pas quoi. Mais en fait non, c'est tranquille, bah y a juste des mecs un peu malades qui veulent pas ralentir quand on essaie de les doubler. Juste des gros psychopathes qui veulent pas ralentir quand on veut les doubler, et comme c'est une voie un peu, enfin genre tu sais, y a qu'un seul côté à chaque fois. Du coup c'est ultra risqué et c'est ultra dangereux parce qu'il y en a qui veulent doubler mais après ils doivent se rabattre en urgence, c'est trop bizarre. Mais l'ambiance est déjà pas mal du coup. Ouais bah par exemple là on est rentré dans ce shop là. Et genre pour aller pisser etc, enfin faire la pause, chercher à boire. Et genre il y en a une vendeuse qui a genre les cheveux verts. Et pendant que j'attendais l'été, je lui ai un peu parlé, j'étais en mode ouais vous allez à Rachel aussi. Et elle est en mode non je dois travailler mais vous y allez. Et je fais ouais, bah ouais je viens de la France pour ça. Et en mode waouh putain c'est trop cool et tout, genre on a high five, mec c'était improbable. Moi j'étais avec Max, on était en train de comparer les prix en fait européens et tout. Bon, non même pas, on faisait les miles et les kilomètres. Oui. C'est notre passion en fait. Ouais bon on a eu 10 heures à tuer les gars, on a pris des nouveaux jeux. Bah de ouf. Où vous allez voir l'arrivée sur les lieux. Et j'espère que ça sera tranquille. Bah j'espère ouais, j'espère que ça devrait le faire quand même. Genre normalement c'est un festival qui devrait durer tout le week-end donc Alors du coup, changement d'appareil, il y a une caméra, il y a un micro, c'est assez incroyable, c'est pas moi, c'est Alou qui est juste là. Et donc du coup, là on est parti, vous découvrirez que j'ai pris un truc incroyable. Et en vrai c'est grave stylé, on a de la musique, et surtout on a un marché en fait. Là on est au niveau du Alien Center Research, c'est... si vous avez déjà vu la vidéo du Grand JD, en gros c'est juste un souvenir shop. Et du coup bon, on a pris 2-3 trucs et là on va se diriger vers Rachel. Rachel on rappelle que c'est du coup là où il y aura le festival, là où on va bon on va s'amuser tranquillement, je vous ferai 2-3 shots et ça va bien se passer. Voilà, je sais même pas si vous m'avez entendu, je mettrai les sous-titres si vraiment c'est incompréhensible. Voilà, du coup bah à toutes. Et là on est presque parti, en fait on attend juste la navette qui va aller genre vers là. Et du coup en attendant on est genre un espèce de point relais. Y'a que des putains de vidéastes, y'a des youtubeurs de partout les gars. Genre depuis tout à l'heure on se fait arrêter en mode hey you got a YouTube channel too, yes cool. En 3 jours on a dû rencontrer, je crois, j'ai dû rencontrer plus de youtubeurs en 3 jours ici que genre dans toutes les conventions que j'ai fait en fait. Genre avec Paradox j'en ai fait 2. Donc ça va vite. On va pas pouvoir, enfin perso je vais pas pouvoir filmer à Rachel pour un truc très simple, j'ai très mal géré ma batterie et il me reste à peu près 10%. Donc sachant que je vais quand même vous filmer après pour tout ce qui est Vegas etc, je vais piquer allègrement les rushs de loup si jamais il fait des trucs et je ferai des travelling etc. Oh non il ne veut pas. Il n'y aura et, pas les rushs. Et du coup ouais, je lui piquerai des trucs tranquillement et puis ce sera cool, genre je lui ferai des rushs sympas. Et sinon en vrai, genre regardez juste, je vous montre, mais juste le cadre est insane. Les gars, on est dans le putain de désert. Dans le désert. Y'a rien. Je vois pas de dessert ici. J'ai faim. Y'a encore des youtubeurs là-bas. Non, ils sont partout, ils se multiplient. Ils étaient pas là avant. Zoomer. Du coup, ce qu'on va faire, on va se poser tranquillement. On en a pour à peu près 10 minutes d'attente. Et puis après, bon, on va kiffer. Alors, de ce que j'ai compris, c'est pas genre un raid à proprement parler. Ça va être plus un espèce de festival musical. Genre, vous voyez Woodstock, mais dans le désert et sur le thème de la zone 51. Du coup, c'est assez stylé déjà de base comme concept, j'aime bien. On va vous prendre 2-3 photos et tout, 2-3 vidéos, merci. Et on va boire de l'eau, beaucoup d'eau. Et non, que de l'eau, hein. Vraiment que de l'eau, voilà. Faire un petit peu long, hein, qui vide. Hein. Je cherchais 10 minutes, moi.
Du coup, on est une semaine plus tard, on est de retour en France. On est un peu triste hein, d'être rentré, mais c'était vraiment génial. Je vous fais juste ce petit rush là pour vous dire que bon, en vrai, il y avait énormément de choses que j'aurais pu vous montrer sur le vlog. Il était déjà bien assez long. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas en fait vous en parler de ce qu'on a vécu, de ce que j'ai pas pu filmer aussi, de ce qu'on a vécu pendant ce voyage, parce que c'était vachement, vachement marrant en fait. Il y avait des trucs qui étaient totalement improbables et what the fuck. Peut-être en live, le faire en live, juste un live où on va parler tranquillement, où je vais peut-être réussir à vous montrer 2-3 trucs en plus, parce que si la connexion le permet, parce qu'on rappelle que la connexion ici elle est clairement un peu morte en fait, hein, très clairement comme ce village. Ce village est mort et la connexion qui suit, hein, très clairement. Enfin bref, j'espère que vous avez bien aimé. Bien évidemment, comme d'habitude, les liens sont en description hein, pour les partenariats, etc. Aujourd'hui, c'était Brave, comme d'habitude. Je vous représente pas le produit parce que ça fait au moins 15 jours que je vous dis d'y aller, hein, parce que ça vaut le coup. Mais vraiment, pour ceux qui y sont pas encore allés ou ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ont réussi à rester jusqu'à la fin d'une vidéo, déjà courage et bienvenue. Bah, GG à vous hein, d'être resté sur un vlog aussi long. Eh bien vous pouvez retrouver le partenariat de la vidéo Brave en description, ça aide la chaîne de ouf et ça vous permet d'avoir un navigateur vachement stylé, vachement plus rapide et surtout bah, qui vous empêche d'avoir des pubs, donc c'est un truc qui vous fera plaisir je pense, plus une petite surprise, mais là je vous laisse découvrir avec les autres vidéos de la chaîne parce que j'expliquerai et là j'ai pas envie, honnêtement j'ai un peu la flemme. Bref sur ce je vous laisse, moi j'ai des threads à record, il y en a plein en ce moment, ciao.